Est-ce qu'un enfant de Bézéka peut louer le Seigneur? Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre, veillez. Soyez sobre. Votre adversaire. Non, reprends. Soyez sobre. Veillez. Veillez. Dis à ton frère, sois sobre. Il y a quelqu'un, veille. Votre adversaire. Votre adversaire. Le diable. Et on dit son nom, il s'appelle comment? Le diable. Le diable. Rôde comme un lion rugissant. Rôde, il fait quoi? Rôder, ça veut dire quoi? Il tourne autour. Cherchant qui il dévorera. Il cherche qui il peut dévorer. Ça veut dire qu'en vérité, il ne dévore pas tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent dévorer. Et c'est ceux-là qu'il cherche. Donc lorsque le temps devient sombre, lorsqu'il y a des problèmes, les temps sont difficiles, les temps sont mauvais, le diable a conscience d'une chose. Il ne peut pas manger n'importe qui. Il ne peut pas tuer n'importe qui. Mais il cherche et il tourne. Il cherche des stratégies. Il repère pour voir ceux qui ne prient pas beaucoup. Pour voir ceux qui vivent une vie de péché. Pour voir ceux qui sont dans les conditions qu'il peut avoir. Donc le diable n'est pas fort. Mais le diable, il regarde, il observe. Il cherche à voir qui n'est pas dans les dispositions. Alléluia. C'est pourquoi toi aussi, quand tu entends que les temps sont mauvais, il faut être dans les dispositions du Seigneur. Et l'une des premières dispositions, c'est la prière. Amen. Deuxième passage. Ézéchiel 8, versets 7 à 11. Ézéchiel 8, versets 7 à 11. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Allons doucement. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Oui. Je regardais. Et voici. Il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, toi qui es un homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille. Et voici. Et il y avait une porte. Et il me dit, entre. Entre par la porte. Et vois les méchantes abominations. Et toi-même vois les méchantes abominations, les méchantes choses qu'ils commettent ici. Que les gens la commettent ici. J'entrais. Je suis entré. Et je regardais. Et j'ai commencé à regarder. Et voici. Il y avait toutes sortes de visages. De reptiles. De serpents. De reptiles, de lézards. Et de bêtes abominables. Et des bêtes, des monstres. Et toutes les idoles de la maison d'Israël. Tous les fétiches d'Israël. Peintes sur la muraille tout autour. Étaient dessinés sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël. Au milieu desquels étaient. Donc on parle ici d'une confrérie. 70 personnes étaient des anciens de la maison d'Israël. Étaient au milieu desquels. Jazania. Et fils de Japhon. Fils de Japhon. Se tenaient devant ces idoles. C'est eux qui étaient les patrons. Chacun d'eux. L'encensoir à la main. Avec de l'encens diabolique entre les mains. Et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Parole de Dieu. Amen. Il y a certains encens qui sont des encens diaboliques. Il y a quelqu'un, je brise toutes ces choses. Acclame très fort le Seigneur. Le passage qui est ici est un passage qui parle d'Ézéchiel. On a déjà parlé de 1 Pierre en parlant du diable qui rôde. Mais le second passage nous parle d'Ézéchiel. Et la Bible dit que dans les 7 premiers chapitres du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel va parler de Dieu aux enfants d'Israël. Il va prêcher la parole. Il va dire des choses. Mais il constate que son message n'est pas écouté. Il constate qu'il prêche des choses, mais les gens ne comprennent pas. Les gens sont négligents. Alors, il pose la question à l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on peut dire à quelqu'un que les temps ne sont pas bons? Pourquoi on peut dire à quelqu'un que les temps sont mauvais? Mais la personne fonctionne comme si c'était normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Dieu va dire à Ézéchiel, tu as posé une bonne question.
viens, je vais te montrer quelque chose. Il montre, il arrive dans les parvis. Dans cette maison-là, il dit à Ézéchiel, regarde. Ézéchiel regarde. Et Dieu ouvre ses yeux et il voit que le mur là, il y a un trou dedans. Le trou dans le mur. Le genre de trou qu'on peut voir sur l'image, un trou dans le mur. Donc voilà ce que Ézéchiel a vu. Un trou dans le mur. Au départ, Ézéchiel regarde, c'est un mur normal. Mais quand Dieu lui dit, regarde, quand Dieu te dit, regarde, Dieu ouvre tes yeux. Il ne peut pas te dire, regarde s'il n'a pas ouvert tes yeux. Quand Dieu te dit, regarde, on ne peut pas dire à quelqu'un, regarde ça. Non, si on dit, si Dieu te dit, regarde ça, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu vois. Donc Dieu va ouvrir, il va enlever ce qu'on appelle des écailles. Ce qui t'empêche en tant qu'être humain de voir dans le spirituel. Et tu vas commencer à voir. Dieu dit à Ézéchiel, regarde. Au début c'était les parvis. Mais quand Ézéchiel a bien regardé, il dit, mais il y a un trou dans le mur. Dieu dit, calme-toi. Pèse la muraille. La muraille c'est quoi? C'est une sécurité. Donc lorsqu'il y a le trou, il y a une sécurité qui permet à n'importe qui de ne pas entrer. Mais il dit, je te donne l'autorité, pèse la muraille. Ézéchiel, en tant que prophète de Dieu, a percé la muraille. Il dit, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais c'est bizarre. Le trou que j'ai vu est devenu une porte. Comme ça, montre la porte, s'il te plaît. C'était un. Maintenant, c'est une. Après que la muraille soit brisée, le trou est devenu une porte. Et il dit, rentre par cette porte. Il dit, je suis rentré. Et je regarde autour. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais je vois des hommes qui ont des visages de serpents, des gens qui ont des visages de reptiles, des gens qui ont des visages de lézards. Et je vois d'autres, eux, ils ont des visages abominables, c'est-à-dire des visages de monstres. Mais j'ai reconnu au milieu d'eux 70 personnes que je connais ici, en Israël. Et voici même leurs noms. Ils sont cachés derrière le mur. Un trou dans le mur. Écoute-moi. La parole de Dieu ce soir vient pour nous enseigner. La parole de Dieu vient pour enseigner quelqu'un. Il est l'heure que tes oreilles écoutent. En fait, j'ai compris que dans la vie, c'est pas celui qui a des grosses oreilles qui entend. C'est celui qui a le cœur d'obéissance. Tu peux avoir quelqu'un qui a des oreilles comme un éventail, mais il n'entend rien. Mais il y a des personnes qui ont le cœur de l'obéissance. Mais sur leur oreille est comme mon doigt. Quand tu parles, il entend ce que tu dis. Parce que c'est ce que tu reçois dans ton cœur qui te sauve la vie. Dieu a parlé à beaucoup. Dieu a averti beaucoup. Mais ils n'ont pas compris que quand Dieu te parle, c'est parce qu'il t'aime. Quand Dieu te parle, il te montre ce que les autres ne voient pas. Ézéchiel parle, les gens se comportent. Ézéchiel parle, certains n'écoutent pas. Si Ézéchiel n'était pas spirituel, Ézéchiel allait dire c'est normal, ils sont fatigués. Mais Ézéchiel dit ce n'est pas normal. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, viens, je vais te montrer pourquoi ils sont comme ça. Ils sont envoûtés. Numéro 1. Quand le diable veut que je meure, quand la sorcellerie ne veut pas que je sorte de la prison, quand la sorcellerie ne veut pas que moi, ma vie soit sauvée, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils endurcissent mon cœur. Mon cœur refuse les instructions de Dieu. Mon cœur discute les instructions de Dieu. Mon cœur remet en question les instructions de Dieu. Donc Dieu dit ça. Toi, tu dis, c'est autre chose. Et Dieu a horreur d'une chose, discuter avec un homme. Lorsque Dieu te parle, il dit, je mets la mort et la... Voici la mort et la vie devant toi. Mais moi, je te dis, choisis la vie. Maintenant, tu es libre de choisir la mort. Mais Dieu aura fait son geste. Pourquoi Dieu nous parle ce soir? En temps d'urgence, on ne doit plus faire la police derrière toi pour prier. On ne doit plus faire la police derrière toi pour t'emmener à dire, il est important que tu prennes ta vie de prière en main. On ne doit plus te poursuivre pour dire, ma fille, mon fils, il est important que tu te sépares du péché. Les temps sont mauvais.
ce que tu sais que tu faisais hier là, qui peuvent affaiblir ton âme, qui peuvent faire baisser ce qu'on appelle le feu de Dieu, arrête. Le diable rôde. Pourquoi le diable rôde comme un lion? Parce qu'il y a un enclos. L'enclos, c'est la protection des brebis. Il regarde. Souvent, le diable ne peut pas entrer. Mais si une brebis sort, le diable récupère la brebis. Comment je peux sortir du plan de sécurité que Dieu a mis pour moi lorsque je veux me comporter comme une femme de ce monde, lorsque je veux me comporter comme un homme de ce monde? Automatiquement, le diable me récupère. Le diable m'attire pour que je sorte de l'enclos. Je sors de ma vie de prière. Je sors de ma vie spirituelle. Je deviens charnel. Je regarde les choses pas comme un homme, une femme spirituelle, mais je vois les choses de façon charnelle. C'est un piège de Satan. Et dis, viens, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Et lorsqu'il regarde, il voit un trou dans le mur. Toi, quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois peut-être une belle maison. Mais Dieu dit, il y a un trou dans le mur. Ce que certains appellent caméra mystique. Ce que certains appellent un miroir, quelque chose où on voit tout ce que tu fais. Le trou là, il fait deux choses. Numéro un, il leur permet de voir ce que tu fais. Numéro deux, il leur permet d'entrer dans ta maison. Souvent des personnes disent, j'entends des pas. Ou souvent même il m'est arrivé d'entendre des témoignages où il dit, on danse dans ma maison. J'entends des pas dans ma maison. Mais le portail est fermé. Par où il rentre? Peut être affaibli. Il reste mûr pour les gens qui n'ont pas la vie de prière. Mais si quelqu'un est spirituel, il saura que quelque chose n'est pas normal. La vie que je vis n'est pas normale. Ce que je traverse n'est pas normal. Parce que je suis étonné de ce que tout ce que je fais échoue. Qui est au courant de ce que je dois faire? Je parle et c'est dans ma maison, seul dans ma chambre, que je mets mes papiers de visa ensemble. Qui voit ça et qui sait que je dois aller à l'ambassade? Qui me dévance à l'ambassade pour brouiller ma route? Comment ils sont au courant que je dois aller à l'ambassade? Il n'y a que Dieu qui sait tout. Le diable est aveugle, il ne voit pas tout. Mais comment le diable alors sait tout s'il ne voit pas tout? C'est parce qu'il a un réseau d'informations. Dieu est partout. Mais le diable n'est pas partout. Mais le diable est au courant de tout. Mais comment il fait? Un réseau d'informations. Dans chaque quartier, dans chaque ruelle, dans chaque carrefour, dans chaque endroit, le diable a une ambassade qui lui permet, à l'aide de ses démons, d'être informé de ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on peut être informé que tu dois voyager, monsieur. On peut être informé que ce soir, un monsieur t'a appelé. On peut être informé que ton chéri t'a dit qu'il va t'épouser. Les gens voient dans ta maison à travers la caméra mystique que j'appelle ce soir le trou dans le mur. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois partout, si tu as une maison où tu dors, il peut avoir un trou dans le mur. Quel est ce trou? Qui l'a placé là? Et la Bible dit, il dit brise la muraille. C'est ça le problème. Souvent le prophète peut te dire il y a un trou dans le mur. Souvent Dieu peut te montrer qu'il y a un trou dans le mur. Dieu te montre qu'il y a des attaques, ta maison est espionnée. Maintenant il ne s'agit pas de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Dieu dit numéro 2, brise la muraille. Comment je brise la muraille? La prière. C'est par la prière. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Qui conduit? Dieu qui conduit Ézéchiel, il me conduisit, ça veut dire que ce n'est pas lui qui peut aller là-bas. Tant que Dieu ne te montre pas les choses, tu ne peux pas voir avec tes yeux. Il me conduisit. Est-ce que pour pouvoir aller dans les parvis, est-ce qu'on doit te conduire? Mais il y a des endroits, si Dieu n'a pas pris ta main pour t'envoyer, tu as passé devant, tu ne sais pas qu'ici, là, il y a problème. Il me conduisit. Et à l'entrée du parvis, je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Maintenant, regarde. Et Dieu dit, perce la muraille. Et je perçais. Qui a percé? Dieu ou bien Ézéchiel? Il y a ce que Dieu fait. Il t'envoie jusqu'à te montrer la chose. Mais la personne qui doit briser ça là, c'est toi-même. Il te perce. Est-ce que Dieu ne peut pas percer la muraille? Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Et puis la muraille est percée.
Il dit, mon ami, ce que je peux faire, c'est de t'envoyer là. Montre aussi, montre-moi que toi aussi tu vas être sauvé. Perce la muraille. Il dit, j'ai percé la muraille. Après, il me dit, entre. Il dit, je suis entré. Et voici les abominations. Vous savez, quand tu pries beaucoup, quand tu pries bien, ta vie en paix. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais qui est ton ennemi. La paix, là, elle vient le jour où tu sais qui ne veut pas de ton bien. Aussi longtemps que tu ne sais pas qui te combat, tu es toujours dans la peur. Mais quand tu connais ton ennemi, tu es en paix. Vous savez pourquoi Jésus était tranquille? Parce qu'il savait que c'était Judas le problème. Et il le connaissait, il le regardait, il le surveillait. Quand tu connais ton ennemi, tu le surveilles. Quand tu connais le sorcier de ta vie, tu le surveilles. Il pense que tu ne le vois pas, mais tu le vois. À BCK, je l'ai dit, nous on ne voit pas les dos des nageurs. On ne voit pas les dos des sorciers. Nous on vit de la piscine, on va se voir. Le temps est arrivé où on doit arrêter de jouer à cache-cache. Non, je sais que c'est celle-là. On dirait que c'est lui-là qui me combat. C'est terminé. On dirait. Ce n'est pas sûr. Qui est dedans? Lorsqu'il est rentré par la porte, il dit quoi? J'ai reconnu 70 et je connais leur nom. Quand tu connais le nom de quelqu'un, la bonne nouvelle, c'est que tu as l'arme qu'il faut pour un retour à l'envoyeur. Nous sommes fatigués de tourner en rond. Le Seigneur doit nous montrer d'où sort le problème. Trop, c'est trop. Le trou dans le mur. Tu fais ton commerce. La chose avance. Tu fais ton commerce. La chose avance. Il y a un problème. Ça monte, ça descend. Le diable doit te tenter. Et puis toi, tu vas refuser. Mais même tentation, c'est une malédiction. Dis, hé. Tu sais que tu es belle. Tu sais que tu as de la valeur. Mais il n'y a personne pour dire, madame, tu es belle. Tu sais, souvent le miroir t'a déjà dit. Mais tu veux que quelqu'un aussi te dise. Ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Le trou dans le mur nous permet de comprendre qu'il y a de l'espionnage en sorcellerie. On peut t'espionner et bloquer ta vie. Le diable n'est pas important. Regarde, même dans le jardin d'Éden, il agit par information. Tu l'informes et il te déforme. Tu l'informes et lui te déforme. Il a dit à Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Ève a parlé, c'est pourquoi il a pu les avoir. Si Ève s'était tue. Donc ça veut dire qu'il est là-bas, il regarde, il voit ce qui se passe. Il ne comprend pas bien l'affaire. Il vient pour voir. Ce soir, quel que soit le trou qui est dans le mur de ta chambre, quel que soit le trou qui est dans la chambre de tes enfants, quel que soit le trou, la caméra mystique, l'œil de la sorcellerie qui regarde tes affaires au bureau, quel que soit le trou qui est dans le mur du bureau de ton patron, là où on doit signer ta promotion, ton embauche, ton CDI, ton travail, je déclare que ce trou-là sera brisé. Ce trou-là sera refermé. L'ange de l'Éternel sera devant le trou. Lorsqu'ils vont mettre leur œil, leurs yeux, l'épée de Dieu va transpercer leur âme. Si tu dis Amen, cela se fait maintenant. Cela se fait maintenant. Wow. Shalom à toutes et à tous. Vous avez aimé cet enseignement et vous désirez nous rejoindre, vous pouvez appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous êtes à Abidjan et vous désirez participer à nos différents cultes de gloire. Très bonne nouvelle pour vous. Nous avons des navettes à votre disposition de façon gratuite. Il vous suffit simplement d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'oubliez jamais, BCK, plus qu'une église, nous sommes une famille. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.